Est-ce qu'il y a beaucoup de vos patients qui viennent vous voir justement pour essayer de trouver un moyen d'éviter la douleur? Certainement, la douleur fait peur et les gens essaient de l'éviter. Que ce soit des douleurs chroniques comme dans le rhumatisme, des maux de dos, des toutes sortes de douleurs qui surviennent à la longue et qui sont bien sûr... Les gens sont sous médication, mais on peut les soulager dans le sens qu'ils peuvent discuter après avec leur médecin pour pouvoir réduire éventuellement, si celui-là est d'accord, les doses des médicaments analgésiques qu'ils prennent. Est-ce que peut-être, est-ce que vous avez parlé des... bon, la femme, avec, elle avait beaucoup de douleurs avec ses menstruations. Est-ce qu'il y a vraiment comme quelque chose que vous voyez plus souvent? Oui, sont fréquentes les personnes qui viennent pour ces raisons-là. Et bien sûr, il y en a plein d'autres raisons pour nous consulter pour enlever des douleurs. Il y en a des souffrances chroniques, des malignités, des maladies. Il y en a beaucoup qui s'intéressent à y aller, comme pour comme on a parlé avec Mme Jaudoin, pour, disons, s'ils faisaient une chirurgie, pour... Pour préparer à la chirurgie, on est capable de soulager la tension et le stress qui précède toujours une intervention chirurgicale et de programmer par la suite une évolution sans complications en post-opératoire. C'est bien important pour chacun de nous qui vivons le stress d'une intervention, de se préparer à l'intervention et par la suite, et les résultats sont bons. Moi, je l'ai expérimenté même sur ma belle-mère. Donc, ça sur votre belle-mère. Si j'ai eu le courage de le faire, ça veut dire que ça fonctionne. Oui. Bon, merci beaucoup, Cornelia, et on se retrouve la semaine prochaine. Et maintenant, chers téléspectateurs, nous allons voir deux témoignages très intéressants. On va les regarder ensemble. J'ai été dans un mouvement dehors pendant, disons, quelques années. Je me sentais pas tout à fait à ma place. J'aimais pas ça. Je trouvais que c'était une perte de temps. Alors, je voulais arrêter de boire. Fait que j'avais déjà vu à la télévision un hypnotiseur. Fait que j'ai appelé au poste de télévision pour avoir son numéro de téléphone. Alors, je l'ai contacté et on a eu une première rencontre. Oh, ça s'est très, très bien déroulé. J'ai été pendant une fin de semaine complète, du vendredi soir au dimanche soir. Et on a eu parlé ensemble sur hypnose. On a sorti des choses du passé. Et lorsque j'ai sorti de là, je sentais pas le besoin de boire. Ah, depuis ce temps-là, ça va très bien, très, très, très bien. J'ai pas repris un verre depuis 10 ans. Depuis 10 ans. On m'en a offert beaucoup. Personne ne me croyait. On m'a refrain encore. J'ai une clientèle qui... Eux aussi prenaient un coup, alors on m'en offrait constamment, mais je refusais toujours. J'avais pas vraiment pas besoin de boire. Je ne sentais pas le goût de boire non plus. Bon, moi, je recommande à tout le monde qui veulent arrêter de boire, vraiment, qui veulent vraiment arrêter. L'hypnologue, je pense, c'est la meilleure affaire, parce que sinon, on traîne des mouvements à perpétuité, puis on n'en finit plus. C'est une perte de temps. Moi, ça m'empêchait de travailler. Alors, c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là, de voir l'hypnologue. Maintenant, je n'ai plus besoin, je ne perds plus mon temps, je travaille. J'ai rencontré un hypnologue d'environ 9-10 ans. Et à la suite de cette rencontre-là, j'ai suivi des traitements dont j'ai été très, très satisfait. À la suite d'un décès de ma fille Julie, accidentellement. J'ai été dans un état dépressif très avancé. J'ai été suivi par des médecins. Et c'était ma dernière porte de sortie que j'ignorais. C'est à la suite d'une recommandation de mon épouse, Pauline, que j'ai consulté M. Delcourt, Noël. Et après la première séance, je voulais le revoir le plus vite possible parce que j'ai senti
tout de suite une amélioration dans mon comportement. Justement, la première séance, comment ça s'est passé? Ça a été pour moi un soulagement, un déblocage, parce que dans mon esprit à moi, si je ne frappais pas à cette porte-là, je m'en allais en psychiatrie parce que je ne voyais pas la lumière au bout du tunnel. Alors, ça a été pour moi, quand je retournais en automobile chez moi, c'est un changement immédiat qui s'est passé en moi. C'était comme si j'avais vidé une partie de cette peine-là, de ce stress-là, de cette tourmente qui était insoutenable. Ça a pris en tout 5 traitements sur une période d'environ, disons, 6 semaines. Et lors du dernier traitement, j'ai avisé M. Delcourt, je lui ai dit, je l'appelais Noël. Je lui ai dit, Noël, je ne sais pas si à parler de ma fille Julie, de son décès, de tous les événements qui sont arrivés, je vais être capable de pleurer. Et nous en avons parlé pendant une heure. On a touché à tous mes problèmes que j'avais intérieurement, psychologiques, tout ce qui s'était passé. Et j'ai pu en parler d'une façon très à l'aise. Et sans aucune larme, sans aucune tourmente intérieure que j'avais, que je ne pouvais plus supporter avant les traitements. Ça fait environ tout près de 10 ans. Et pour moi, ça a été un sauveur, ça a été ma porte de sortie depuis ce temps. J'ai compris des choses que je n'avais jamais compris avant, de me connaître moi-même et les recommandations qu'il m'a faites. De savoir m'étudier, de me connaître moi-même. Alors, ça m'a aidé depuis ce temps-là. Et je suis convaincu que ça va m'aider pour le restant de mes jours. Je suis présentement avec M. Noël Delcourt. Et M. Delcourt, j'ai la preuve que l'hypnose et la douleur, c'est quelque chose que vous connaissez, puisqu'on est ici le lundi de 1979, où on retrouve un article... avec une dame qui a utilisé l'hypnose pour son accouchement. Comment j'ai accouché aux hypnoses? J'avais une autre bête à cette époque-là. Vous nous en parlez un petit peu? Oui, oui. C'est un accouchement qui a été réalisé dans un hôpital de Montréal. J'avais rencontré la personne qui avait communiqué avec moi parce qu'à ce moment-là, elle avait énormément peur d'accoucher. Énormément peur aussi de la douleur que ça pouvait provoquer. Alors, on a travaillé tout d'abord en auto-hypnose. Je lui ai enseigné comment se détendre, un peu comme je fais le soir avec les gens ici, là, même si on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Pendant quelques semaines, j'ai fait un suivi avec elle. Et puis, ce suivi-là nous a amenés jusqu'à l'hôpital. Durant l'intervention, il y a dû avoir une ouverture qui a dû être pratiquée. Il y a eu des points qui ont été... qui ont été travaillés, et puis la personne n'a ressenti aucune douleur. Ça a très, très bien été. C'était un succès. J'en ai fait 2 autres, mais le lundi a été le seul qui a fait un article là-dessus. Ça a été très bien. Vous allez sûrement avoir beaucoup d'appel de femmes, je suppose, qui veulent l'hypnose. C'est absolument formidable. Bien, on doit dire que, bon, il faut quand même une qualité de sujet, puis être capable de... d'avoir un sujet quand même qui répond le plus facilement à l'hypnose. J'aurais une chose à dire avant de continuer, là, ça va prendre 5 secondes, sur les infirmières tout à l'heure. Faut pas oublier qu'on a des cours sur mesure pour les infirmières qui leur permettent d'intégrer cette méthode-là qui est naturelle, évidemment, mm-hmm. aux soins physiques qu'elles dispensent. Alors, pour celles qui sont intéressées, là, il y a des cours spécialement pour les infirmières qui pourraient les aider dans leur travail. Bon, bien, on se retrouve après la capsule « Ma santé, mes droits ». On vous la présente. Trouvez-vous que le gouvernement a présentement une politique de santé qui favorise la prévention? Écoutez, vous n'avez qu'à regarder le titre qu'on a affublé, l'assurance maladie. Le terme même montre à quel point le gouvernement prend peu au sérieux le phénomène de la prévention. On appelait ça l'assurance maladie. On aurait dû appeler ça l'assurance santé. Les 14 milliards de dollars qui sont alloués présentement par le gouvernement du Québec à chaque année dans le système de santé, soit le tiers de tout notre budget, sont directement alloués à la médecine dans le but de guérir et non dans le but de prévenir.